Alors, coucou tout le monde. Bon, mon atelier n'est pas terminé, mais c'est en cours. Je vais quand même venir vous montrer, où je travaille, d'accord? Donc, voilà. Là-bas, c'est où je crée, vous voyez, tout ce qui est en plâtre. Hein? Donc, hier, voilà, j'ai refait des statues en plâtre. Voilà. Donc, mon seul plâtre, il est là, d'accord? Plâtre à modeler. Voilà. Puis j'ai fait mes petits anges pour mettre dans mes grosses orgonites. Voilà. Alors maintenant, on passe à la table orgonite. Voilà. Donc vous voyez, il faut énormément de choses. Hein, voilà. Je ne vais pas jusqu'au bout parce qu'après, je vais vous dire quelque chose. Donc il y en a une qui a pris, soi-disant, une de mes orgonites et qui a joué au médecin à l'examiner. Alors voilà tout ce que je me sers. Donc vous savez déjà, il faut de la résine. D'accord? Donc j'ai celle-ci, mais je travaille aussi avec celle-ci. Ça dépend. D'accord? Voilà, celle qui est livrée le plus rapidement possible. Ensuite, voilà, vous savez, je mets des petites paillettes. Des fois, ça m'arrive de mettre des petites plumes et tout ça. Voilà. J'ai mes feuilles d'or. Et bah ouais, il y a des feuilles d'or. Hein. Donc, en fait, ça va se présenter comme ça. Regardez, je vais vous montrer. Alors, faire attention parce que, vous voyez, regardez. Rien qu'à toucher la boîte, ça y est, j'en ai déjà, hop, une sur les doigts. Alors, mes mains sont crades, mais c'est parce que j'ai fait des trucs exprès pour vous montrer comment on peut manigancer et inventer sur le dos des gens. Parce que là, franchement, ça ne va pas, quoi, d'accord? Voilà. Alors, après, je suis désolée, hein, j'ai des mains de travailleuse, moi. Hein. Ouais, moi, je n'ai pas des mains d'emmerdeuse. Hein. Moi, je passe pas mon temps et je fais pas des vidéos que pour emmerder le monde, ok? Voilà. Donc, des feuilles d'or, ça se présente comme ça. Alors, je vais prendre ma petite pince et je vais vous montrer. Voilà. C'est, voilà, comme ceci. D'accord? Simplement, quand vous le mettez dans la résine, ça se réduit encore. Ce qui fait que quelquefois, voilà, parce que faut peser, hein, faut tout peser. D'accord? C'est un travail énorme, les orgonites. Donc, je ne mets pas un gros tas comme je vous ai montré. Ok? Parce que dans une orgonite, déjà, on peut mettre tous les métaux. Ok? Donc, pas spécialement du cuivre. Mais la personne qui a examiné ma soi-disant orgonite, je vous dis ma soi-disant parce que vous allez comprendre. Comment vous dire? Je ne sais même plus. Vous voyez, ça me perturbe un peu. Parce que moi, les mensonges, j'ai du mal à polémiquer sur un mensonge. Voilà. Dit que je fais de la merde. Voilà. Et, soi-disant, j'aurais mis du verre. Alors, on va faire le tour. Est-ce que vous voyez du verre ici? Ok? Alors, là, c'est de la tourmaline. Hein? Ok? Le verre. Ah, voici mon verre. Alors, il paraît que je ne mets pas non plus de cristal de roche. Mais vous voyez, moi, j'ai acheté du cristal de roche. Regardez, vous allez le voir dedans. Voilà, en miettes. D'accord? Donc, je mets le poids. Des fois, j'en mets du comme ça. Des fois, j'en mets du plus grand aussi. Hein. Ça dépend. D'accord? Mais regardez. Attendez, je vais essayer de vous balayer le truc pour que vous voyez vraiment qu'il y a plein de miettes dans le fond. Ah oui, parce que écoutez, avec eux. Ah là là. Bien sûr, on ne va pas le voir. Bon, là, je pense que vous en voyez un peu. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez là-bas dans le fond? Voilà. Il y a plein de miettes là. Ok, donc je prends, voilà, c'est fait exprès, hein, c'est livré avec les, avec la résine et tout ça, et avec les moules, hein, d'accord, donc je prends vraiment dans le fond, voilà, vous voyez, voilà, cristal de roche, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas son goto, ok, on est bien d'accord, voilà, pour les matériaux, je vous ai dit, on peut tout mettre, alors on peut mettre du cuivre, hein, voilà, je prépare comme ça, ou je fais sous d'autres formes, hein, ça dépend. On peut mettre aussi, voilà, un genre d'alu ou de plomb, hein, comme vous voulez, voilà. Et puis, moi, vous savez que je mets des breloques comme ça, d'accord? Alors, je mets ça, ou je mets ça, ok? Des breloques comme ceci, nous sommes bien d'accord, mais une fois que... Voilà, donc je me disais que je servais aussi de breloques comme ça et qu'une fois qu'il y avait le poids
que tout était équilibré, il n'y a pas de problème. Voilà. Il faut toujours, bien sûr, la balance sur votre table. Il faut des timbales diverses. Hein, voilà. Pour le durcisseur et la résine. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est. Parce que vous savez, à mon avis, je pense qu'on a fait cette vidéo. Parce que vous savez, je vous ai dit que j'avais toujours les ongles sales. Parce que quelquefois, il y avait des orgonites qui collaient. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est qu'une orgonite qui colle. Voilà. Alors, j'ai fait exprès. Hein, d'accord? Voilà. Alors, attendez, je vais essayer de poser. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. De poser le téléphone sans qu'il se casse la figure. Voilà. Alors, bien sûr, celui-là ne va pas vouloir se poser correctement. Alors, attendez, comment je vais faire? Ah là là. Bon, je vais prendre ma boîte de pierre. Je vais le poser dedans. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est qu'une orgonite qui colle. Voilà. Voilà. Une orgonite qui colle, vous voyez, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est ça, une orgonite qui colle. Vous voyez? Voilà. D'accord? Regardez, hein? Vous voyez? Voilà. C'est ça, une orgonite qui colle. Voilà. Donc, j'ai fait exprès. Hein, j'ai fait exprès de la faire, exprès pour qu'elle colle. Alors, cette dame m'a pris pour une yoyote en disant que, bah oui, de la résine, ça chauffait. Ben, pourquoi j'ai des allumes-gaz comme ça, chère madame? Et ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ben mince, elle a cru tout m'apprendre. Mais je pense que cette dame, voilà, c'est quoi, hein, d'accord? Je pense que cette dame est cette dame qui fabrique des orgonites et qui m'avait envoyé plusieurs emails, là, en disant qu'il fallait que le cuivre, nanana, nanana, nanana. Et je lui ai répondu à cette dame qu'on avait chacun sa façon de faire. D'accord? Donc, ça ne lui a pas plu. Parce que cette dame s'était permise de m'envoyer plusieurs messages. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ben mince, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, ben madame, vous êtes encore roulée. Ben oui. Et puis, ah oui, aussi. Ah ben, ça se polie, hein. Ça se polie. Ben oui, ben c'est quoi ça? Oh, ben chiffon, il sert à quoi? Hein, voilà. D'accord? Donc, quand on ne sait pas, on se tait. Voilà. Maintenant, j'ai dit, alors, à standard, là. Mi-standard, ok? Oui, j'ai dit que je ne ferai pas de vidéo de fabrication de mes orgonites parce que moi, quand je fabrique une orgonite, je ne suis pas en train de faire des vidéos, d'accord? Parce que chaque chose en son temps. Et comme on doit rester ancré et concentré, on ne fait pas des vidéos quand on fait des orgonites, d'accord? Voilà. Donc, que ça vous plaise ou pas, chère madame, remuez-vous votre cul et puis faites quelque chose de vos 10 doigts. Ça vous évitera de mener la bande avec votre complice, dont je ne dirai pas le nom, voilà, à des erreurs monumentales. Parce que sachez que je ne vais pas en rester là, d'accord? Voilà. Non, 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 je ne vais pas en rester là. Et croyez-moi que quand je dis quelque chose, je le fais. Maintenant, si vous pensez que il y a des plaintes qui n'ont pas été déposées, c'est votre droit, voilà, c'est votre droit, mais ne vous inquiétez pas, moi je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait, voilà. Donc, quand on veut créer des orgonites pour faire chier le monde, hein, et dire que c'est les autres qui les ont fabriqués, c'est tout à fait votre droit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une solution pour prouver que les orgonites que j'ai vendues sont bien les miennes, d'accord? Et non pas des orgonites qu'on a fabriquées pour essayer de m'emmerder. Alors, je vais essayer de reposer le téléphone, voilà, ici. Et je vais vous prendre une orgonite, voilà, à moi. Un cône aussi, voilà. Vous voyez, là, il y a des coulées, mais c'est normal, d'accord? Elle n'a pas... Alors, elle est séchée, hein, d'accord? Elle est sec. Hein. Puis, on va essayer de la... de la percer comme cette dame a fait. Alors moi, je vais vous montrer que cette orgonite hein, qu'elle a joué au médecin avec n'était pas... Alors vous voyez, hein, c'est pas du verre là, hein, d'accord? Voilà, il n'y a pas de verre moi dans mes orgonites. Non, non, il n'y a pas de verre. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre la lame du couteau. Voilà, et puis on va voir si on arrive à la décortiquer aussi facilement qu'elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors voilà, déjà, regardez, hein. Eh ben, c'est déjà très dur. Merde. Oh, on peut pas. Alors.
Voilà. Bon. Alors, elle a pris un tournevis. On va prendre un tournevis. Qu'est-ce que je vais prendre comme tournevis? Alors, attendez. Hein. Ma boîte. Hein. On va prendre des tournevis. C'est comme si une nouvelle boîte. Comme ça, on pourra pas dire que mon tournevis n'était pas pointu. Voilà. Donc, c'est des tournevis tout neufs. Hein? D'accord? Voilà. Regardez. Hein? C'est bien un tournevis. Hein? Ok? Voilà. Alors. Ah. Voilà, vous voyez, on ne peut pas. Alors, on peut bien faire un trou comme ça. Voilà, regardez, on peut enlever un petit truc comme ça. Et après, si on essaye, bah, c'est malheureux. Hein. Regardez, voilà, il vient que des petits trucs comme ça. Mais ça fait pas du tout comme elle, vous voyez. Voilà, regardez. Voilà. Alors, celle-là, c'est fait exprès aussi. Hein. C'est une orgonite que j'ai fait il y a... 2 jours, 3 jours, je crois. Voilà. Rien que pour vous montrer que, hein. D'accord? Alors, regardez, c'est pas aussi facile qu'elle, d'accord? Et pourtant, regardez, j'appuie, hein. D'accord? Donc, moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. On a fait une orgonite qui n'était pas sec. D'accord? Voilà. Et là, on vous l'a déchiquetée. Et on a mis du verre dedans en vous faisant croire que c'est moi qui avais fait ça. Voilà. Alors, preuve du contraire, maintenant je demande les preuves comme quoi que c'est moi qui ai fabriqué cette orgonite. Puis vous voyez, même si ça ne se voit pas beaucoup et ça ne se voit pas sur les photos, vous voyez, j'ai toujours, regardez, il y a du cuivre là, mince, d'accord? Et regardez, il y a toujours une breloque avec moi. Et vous voyez, oh, comme c'est dommage. Regardez, mon cristal de roche, il est là, merde. Alors, vous voyez, alors c'est pas que je veux pas, hein. C'est vraiment pas... Gaëtan, il va pas vouloir venir voilà, vous montrer, parce qu'il veut déjà pas que je fais de vidéo comme ça. Voilà. Sinon, j'aurais demandé que lui vienne appuyer. Hein, d'accord? Alors, au pire, je demanderai à mon beau-fils, hein, de venir essayer de le faire. Hein, parce que vous voyez, tout ça, c'est des conneries. Alors, ouais, si vous prenez une orgonite qui n'est vraiment pas sèche, hein, qui fait ça, mais alors, c'est autre chose. Regardez. Là, vous pouvez, hein, voilà. Mais là, alors là, c'est pas sec, hein, j'ai fait tout à l'heure exprès, hein, d'accord, voilà. Là, vous pouvez, vous voyez, voilà. Là, vous pouvez faire comme elle, hein, voilà, d'accord. Mais alors ça, c'est une orgonite qui est, voilà, ok. Voilà, j'ai rajouté du truc collant dessus exprès, hein, pour vous montrer. Voilà. Bon, bah, c'est dommage, vous voyez. Regardez, l'autre, par contre, je suis en train d'en préparer des nouvelles. Voilà. Mais bon, ça se fait en plusieurs fois, une orgonite. Hein? D'accord? Voilà. Donc, ben, désolé. Hein? Alors, maintenant, je ne fais pas cette vidéo-là pour vous monter la tête, mais seulement pour vous ouvrir les yeux. D'accord? Parce que quand on monte des plans, et quand on demande sur des chaînes de voyance si son plan va marcher, imaginez-vous qu'on est capable d'imaginer plein de choses sur la personne qu'on a envie d'emmerder. D'accord? Voilà. Donc, faut les laisser s'amuser. Moi, je m'en fous. Maintenant, vous êtes libre de croire qui vous voulez. Voilà. Moi, vous savez, ça m'importe peu. Hein, voilà, j'en ai strictement rien à faire parce que j'ai ma conscience. Science tranquille. Le seul problème, c'est que leur cancan me fait perdre du temps parce que voilà les vidéos de merde que je suis obligée de vous faire. Comme je vous ai dit. Mais en tout cas, hein, on peut refaire le tour de ma table. Il n'y a pas de verre nulle part. Hein. Ok, voilà, il n'y a pas de verre nulle part. Ben là-bas, vous voyez, regardez. Voilà, c'est tous mes moules. Hein, voilà, voilà, vous voyez. Voilà, ça c'est mes perles. Donc les perles qui viennent de chez mon fournisseur. Pas des perles en plastique, ok, voilà. Donc voilà, hein, ça c'est tout, vous voyez, des orgonites qui sont ratées, qui pour moi sont invendables, voilà. Donc ça, c'est vraiment du n'importe quoi, n'importe quoi, voilà.
Et puis, bah ici, hein, vous voyez, voilà, je travaille toujours avec l'univers. Alors ça, c'est mon bouddha qui est raté, d'accord? Mais c'est... Voilà, et vous voyez, regardez, même dedans, hein, voilà, c'est pas du verre, hein, ok? Ah, hein, c'est pas du verre, hein, vous voyez, hein. Voilà, parce que bah, il y a des gens qui voilà, hein, ne savent pas quoi inventer pour embêter le monde. Alors bon, on est obligé de se justifier H24 avec les démons, hein. C'est un peu beaucoup gênant. Voilà. Vous voyez, la machine est. Voilà. Elle sonne hein, quand elle est finie. Voilà. D'accord? Donc des fois, il faut mettre plusieurs fois. Hein, c'est normal. Et tout ça, ben, vous savez, hein, quand on verse, voilà. Hein, ben voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre une protection. D'accord? On verse. Puis ben, même si on fait ça, ben, ça coule toujours l'or. Hein, d'accord? Donc voilà. Voilà. Alors, je veux bien même essayer, regardez, avec un truc. Voilà. De fourchette hein. Voilà et ben regardez on peut gratter comme ça voilà vous voyez attendez regardez on peut gratter comme ça mais regardez même si on essaye voilà d'antiquer et ben ça ne marche pas vous voyez ce que je vous dis donc faut pas prendre les gens pour des abrutis d'accord voilà et vous voyez hein, c'est pas du verre ok non non c'est pas du verre. Je me prends pas des cuites avec du whisky et je casse pas les bouteilles pour les mettre dans mes orgonites. N'est-ce pas? Monsieur le cher voyant à douce voix. Là-dessus, je vous fais des bisous. Voilà. Et bah, je vous souhaite un bon week-end. Et vivement la fin, quoi. Hein? Vivement la fin de tout. Alors, pas de cette équipe satanique. Hein? Moi, franchement, voilà. Je sais que les sataniques vont tomber, donc je m'inquiète pas. Je sais que ces gens ne vont pas. Pouvoir. Comment vous dire ouais. Ils vont pas exister très longtemps, donc ça ne me dérange pas trop. Et vous voyez, mon tournevis sortait de mon truc, hein, donc il est bien pointu, il est... voilà. En tout cas, moi, vous voyez, plutôt que de faire ça, je préfère, par exemple, m'occuper de mes fleurs. Vous voyez, regardez, j'ai des super belles roses, moi. Hein, parce que, bah ouais, j'ai les mains sales, mais c'est vrai, je fais du jardin, moi. Voilà, hein, d'accord? Donc, voici. Puis, bah, j'ai fait mes petits parterres aussi. D'ailleurs, ma brouette traîne encore. Et voilà, comme tous les ans, hein, les petits bouddhas, voilà, dans mes petits jardinets, d'accord? Voilà. Donc, et oui, voyez-vous, et là j'ai perdu du temps. Bon, bah là, faut que je ramasse l'herbe, parce que avec tout ça, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.